Bonjour à tous, c'est Nico Gensu 13 et aujourd'hui je suis sur NBA 2K. Donc vous demandez sûrement qu'est-ce que je fous sur ce jeu, mais c'est un jeu qui en ce moment me fait kiffer. C'est un jeu où je passe beaucoup de temps ces derniers temps et du coup j'avais envie de vous faire profiter de vous faire kiffer en même temps que moi. Du coup là vous pouvez voir que je suis au Cavalier, donc je les ai rejoints il n'y a pas longtemps. Faut savoir que c'est que les Cavaliers ne me font pas jouer à mon poste réel. C'est-à-dire moi je suis un meneur de jeu et les Cavaliers me font jouer arrière. Donc je sais pas du tout, bon, moi je suis pas connaisseur de basket, je suis plus un joueur FIFA, des joueurs de foot, donc vraiment arrière, je sais pas comment ça se joue. Mais voilà, ils ont préféré laisser Irving meneur de jeu et me mettre moi arrière. Et du coup, cette équipe, j'ai l'impression elle veut pas forcément m'intégrer. Et voilà, c'est vraiment, on va dire, ça joue très perso. On voit surtout Irving jouer en dribble, LeBron James. Et du coup, moi, je suis là pour les mettre en valeur, pour leur faire des passes décisives. Et ouais, tenter quelquefois des petites actions. Mais de toute façon, on va essayer de faire un gros match là aujourd'hui ensemble. Et vous allez voir comment ça se passe et pourquoi je kiffe ce jeu. Et voilà. Donc déjà, il y a 4 à 2. Ça a commencé très très fort et très très vite. Donc vous pouvez voir déjà là Irving. Balle à la main. Ouais, il balance des dribbles de tous les côtés. Ça joue derrière pour LeBron James. Qui tente un 3 points et ça rentre. C'est net, c'est propre. C'est magnifique. Après j'ai pas me plaindre de cette équipe, hein. Autant elle joue perso mais autant ça rentre à chaque fois quoi. Après vu que c'est peut-être moi qui suis mal placé vu que j'ai pas joué arrière. Mais ouais, faut que je m'habitue à ce poste. Je commence petit à petit à comprendre comment ça se joue et voilà. En tout cas ouais, voilà, j'ai voulu intégrer une grosse équipe là en voulant rejoindre les Cavaliers. Aussi avec Love, comment il s'appelle, LeBron James, Irving, Thompson, enfin un truc comme ça qui s'appelle. Mais très très grosse équipe, une équipe qui était déjà en place avant que j'arrive. Donc ils sont deuxième là, deuxième au classement si vous préférez. Donc voilà, très très grosse équipe. Et là aujourd'hui on affronte les Clippers de Los Angeles. Allez, deux lancers francs pour Griffin qui vient d'en rater un. La contre-attaque, très très bien menée par le LeBron James et Irving qui vient claquer un 2 points. Après, en face, on a une très belle équipe aussi avec Chris Paul, Griffin. Franchement, c'est une équipe qui marche. Et voilà, donc ça va être un match assez intense. Ah, monsieur l'arbitre, sortez du terrain. On va mettre un petit écran par là. Ça lui a permis de passer le décalage, c'est bon, il marque un 2 points sur notre écran. C'est parfait, ça améliore notre note. Après vous demandez pourquoi le 2016 et pas le 2018, mais personnellement, voilà, le 18 vient de sortir, il coûte voilà, pas mal d'argent. Donc le 16, je l'ai eu gratuitement, vu qu'il était gratuit sur le PlayStation Store. Voilà, c'était le jeu du mois, donc il est gratuit. Et voilà, il est kiffant. Je vais pas aller sur le 18 alors je comprends rien en basket. Oh là là, oh la petite roulette derrière celui des magnifiques. On voit, ouais, c'est pas vraiment un 2, mais 2 points. Donc j'allais pas prendre le 18 alors que je ne connais rien en basket et que déjà le 16 me fait kiffer et je prends du bon temps dessus. Ça sert à rien, voilà. C'est pas. Oh la claque! Oh, je lui ai mis une sale claque. Donc j'allais pas gaspiller, je sais pas, 70 euros on va dire, pour un jeu où je vais pas y être à fond. Voilà, c'est pas comme FIFA où je vais le prendre toutes les années. Au magnifique 3 points, 15-10. Donc voilà, le 16 ça suffit pour kiffer, c'est un jeu de basket, il est très très bien fait, il est très beau. Et je pense que ça suffit pour un amateur de basket comme moi. Allez, faut sortir. Allez, Irving au lancer franc. Et dès qu'il rentre. Ok, bon, on fait sortir, on va rentrer immédiatement.
Donc 22-21, d'accord, ils ont recollé. Donc ok, on passe meneur de jeu, on va défendre et attaquer sur Chris Paul. Ça risque d'être compliqué, c'est un joueur petite taille mais très vif, très bon aux 3 points. Allez, c'est récupéré. La contre-attaque. Allez, LeBron James. Ok, l'autre il est venu lui mettre un écran. Je vais aller faire de même. Je vais lui mettre un bel écran là par là. Voilà, on est deux à mettre un écran. LeBron James qui tente le 3 points sur nos écrans et ça rentre. Allez, 25-21. On reprend un petit peu d'avance. Ah, ça me dégoûte ça des fois quand tu gagnes. Ouais, l'entraîneur il fait tourner l'équipe, tu rentres, tu perds. C'est abusé. Des fois tu peux perdre 10 points, donc c'est très très dur de revenir. Ok, j'ai réussi à esquiver l'écran pour défendre sur Paul. Oui, oui, il tente le shoot. Très très belle défense. On récupère contre-attaque. Oui, je l'ai vu. Passe décisive pour Smith. Et Smith qui marque son 2 points sur une très très belle passe décisive. Donc pour le moment, ouais, voilà, je crée pas beaucoup d'action, mais je suis, voilà, avec mes petits écrans, mes petites passes d'aise, ça va faire le taf, mon petit 2 points aussi. Mais après, on est que dans le deuxième tiers-temps, donc il reste encore beaucoup de temps de jeu. Et on sait surtout que ça se joue dans le 3ème et le 4ème. Et c'est vraiment les plus intenses à chaque fois. Oh, très bien joué ça. Allez, 29-21. Ah, depuis qu'on est rentré, ils n'ont pas marqué un seul point. Et nous, on prend de l'avance. Oui, je récupère le rebond juste devant le joueur des Clippers. Qui était là aussi. LeBron James qui me fait le ballon. On va tenter un petit truc, allez, roulette sur Chris Paul, la passe d'aise pour LeBron James, ça rentre, et c'est un plus 1, donc il aura le lancer franc pour marquer 3 points, c'est magnifique. Ah, ça fait plaisir d'être dans cette équipe, c'est une équipe, ouais, avant vous savez, avant j'étais au Miami Heat, mais ça jouait pas aussi bien que depuis que je suis au Cavalier de Cleveland, là c'est autre chose, c'est vraiment plus offensif. Et ouais, c'est une très très grosse équipe. Attention. Ah, ça rentre. 32-23. Voilà, la petite accélération de couloir. Bouh, le gros dunk sur la tête des défenseurs. Ce dunk était tout moi, je me souviens. Exceptionnellement magnifique, voilà. Ah, tout simplement exceptionnel, voilà, c'est ça que j'allais dire. Mais voilà, magnifique. Alors là, il ne s'attendait pas à cette course couloir. J'arrive à passer derrière, et derrière, ben, voilà, je mets un gros dunk sur la tête de deux, voire trois, je ne sais pas combien ils étaient. Je crois qu'il y avait deux, maximum trois défenseurs. Gros dunk sur leur gueule, ça c'était bon. Ou attention. Oui, il rate son 2 points. Je pars couloir. Ouais, vous l'avez pas. Allez, on va laisser LeBron James. Une isolation sur LeBron James qui se fait plaisir, mais malheureusement il ne met pas son point. Il faut que je défende sur Warren. C'est un shot qu'il doit continuer à prendre. Warren kicks to Paul. Oui, LeBron James qui récupère, LeBron James qui part tout seul, qui la passe à Love. Love qui perd ce ballon, il me la remet en arrière. Le 2 points peut-être. Non. Ah, malheureusement, mon perso, il est nul en tir. J'ai beau l'améliorer, il n'y a rien qui change. J'ai tenté le contre. Au cas où il tirait, mais il n'a pas tiré. Oui, le contre. Mais ce ballon est toujours en possession des joueurs des Clippers. Attention, le tir à 2 points et ça rentre. Malheureusement, mon contre n'aura servi à rien. Oui, l'appel là. Magnifique, LeBron James qui m'a vu tout seul sous le panier, qui me la met. Et ça fait un autre 2 points pour ma part. Eh, je suis dégoûté, c'est vraiment les 3 points, je suis souvent en position de 3 points, il les rate. Alors que tout à l'heure, c'était même un 2 points. Bon, allez, un petit temps mort demandé. Allez, c'est reparti, donc je suis toujours meneur de jeu.
Donc après, si ça vous plaît, voilà, cette vidéo de basket, si vous êtes en train de kiffer comme moi, dites-le, je pourrais vous en faire plus souvent, si ça vous intéresse. Voilà, il m'a mis un écran, attention, ça fait mal, heureusement que derrière, je me récupère bien. Attention, oui, on défend bien son Griffin, en plus je récupère le rebond, contre-attaque peut-être, non. Oui, il offre tout seul, la passe pour... Oui, les 3 points, passe décisive. Eh bien, regarde, vous voyez vraiment, c'est chez joueur décisif. Je suis là, c'est pour surtout mettre les autres en valeur, faire les bonnes passes, trouver les bonnes passes, j'ai l'impression. Parce qu'ils arrivent très facilement à se démarquer dans cette équipe, ou sinon tenter un petit dribble. Ah, Griffin qui nous a mis la misère. Autant il a raté son premier shoot, mais il récupère le rebond. Et vu que nous on avait sauté pour contrer, on ne peut plus rien faire. Merde! Ah, je savais que je l'avais mal fait cette roulette. Elle était trop en arrière comparé à moi. Attention, pourquoi là ce serait bien de bien défendre. Malheureusement, ce but il est pour moi. J'ai mal joué. Allez, crossover. Oh, putain, je vais refaire la même merde. Bon, vachement, on va faire tourner. Ok, ça tente la pénétration, la passe. Oui, 2 plus 1. Bon, il m'a fait sortir, on rentre, ok, c'est la mi-temps. On gagne 44 à 29, c'est quand même lourd. Hein. Allez, c'est parti pour la deuxième mi-temps, donc on repasse au poste arrière. Et ouais, c'est nous, là, le ballon. Allez, Irving qui tente des dribbles, Irving qui cherche, qui tente le 2 points, ça rentre, c'est parfait. Au moins, ça fait plaisir parce qu'il dribble pas pour rien, il tire pas pour rien dans cette équipe. A chaque fois, ça fait mouche, quoi, c'est exceptionnel cette équipe. Ou attention à la pénétration, il sera une 2 points. Voilà, deux fois, c'est Thompson. Sur Chris Paul, je vous ai dit, c'était un petit. Ouais, il est ultra vif quoi, il va tenter souvent des pénétrations comme ça, il va chercher la pénétration, il y a, ouais, pourquoi pas, un 2 plus 1. Allez, le grand James qui m'a vu, on va tenter quelque chose, la roulette, oui ça passe, et le dunk. Oh, magnifique dunk. Allez, il faut bien défendre, on espère ce ballon. Oui, c'est fait par Thompson. Allez, ah, monsieur l'arbitre encore au milieu du terrain. En plus, il me fait bugger. Ah, je partais en contre-attaque dans le couloir et ouais, Irving qui fait la faute. Il a fait le passage en force, dommage, on perd le ballon. Ah, c'est Crawford qui défend et j'attaque. Alors, c'est Crawford qui s'est créé sa dunk tout à l'heure, le pauvre. Ah, belle défense, mais il réussit quand même son 2 points, dommage. Allez, Irving. Irving qui fait la passe décisive pour Olof qui rate son dunk. Oh là 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 là, c'est. Je sais pas comment il a fait pour rater ça, les gars. Ou Chris Paul. Voilà, quelle belle pénétration. C'est bizarre les termes du basket. Hein. Je sais pas si c'est les vrais termes d'ailleurs, hein. C'est moi qui l'ai dit. Love. Il me la met. On va tenter, je sais pas. Allez, encore une fois peut-être. Oui, ça passe. La passe, vas-y là. Oh, il a pas tenté le shoot direct. À mon avis, s'il attendait pas, je vais peut-être juste dunker. Non! Putain, mais là, clairement, je me suis raté. Et j'ai paniqué, j'ai levé le doigt avant le bon moment, j'ai pas eu le timing, attention. Oui, encore une contre. Par contre, ce Crawford, on le met très très mal, les amis. Très très mal, on lui claque deux dunks sur la gueule. Oh putain, encore l'arbitre qui est au milieu. Heureusement qu'ils ont marqué. Par contre, le Crawford, on lui met deux roulettes dessus, il comprend rien. Là, on lui claque une putain de gifle. Waouh. Allez, après ce temps mort, on repasse meneur de jeu. On va redéfendre sur Chris Paul. Et là, du coup, ça va être plus compliqué. Ça va pas être comme Crawford qui laissait tout passer. Oh là là, ma défense qui se fait prendre alors qu'ils étaient deux sur le portage ballon. Allez.
Oui, on a vu que ça sur le panier, Thompson, la passe décisive de l'été. Ah, très très bon placement, il a réussi à se démarquer, je l'ai vu du coin de l'œil. Et cette passe est arrivée à destination. Ah les gars, le mec il arrive à passer comme ça, ça c'est pas normal. Allez, donc l'heure de jeu, déjà c'est un placement que je connais bien, enfin je connais mieux, il me fait la passe, oui ça rentre, deux points, en double pas, donc je sais même pas comment on fait du double pas, je sais même pas c'est quoi. Donc magnifique, je suis à un total de 10 points, 4 rebonds. 4 passes décisives et 3 contre, donc très très belle stat. Encore un rebond les gars, allez. On part en contre-attaque. Le petit crossover. La passe qui ne passe pas, malheureusement. Ah, j'ai cherché trop la facilité. Et enfin, c'est même pas la facilité, le mec il était pris par deux mecs, donc... Enfin, mon coéquipier était pris par deux mecs, donc... c'était pas vraiment la facilité. Allez. Oui, on a vu LeBron James qui tente le 3 points, malheureusement il se rate. Et d'ailleurs c'est assez bizarre de la part de LeBron James qui n'était pas du tout gêné, il était tout seul dans son corner. Mais ça tente le 3 points du côté Clippers aussi, ça se rate. Du coup on reprend la position de balle. LeBron James qui joue sur Smith. On va faire un appel sous la raquette, il me voit. Et voilà, encore une fois c'est la deuxième fois que ça passe. C'est magnifique, ça rentre, on gagne 2, 16 points, on régale les amis, on régale. Je vous cache pas que c'est un des meilleurs matchs que j'ai fait, arrivons au troisième tiers-temps et avoir 12 points, c'est rare les amis. C'est sûrement mon meilleur match là que je suis en train de vous faire, juste pour vous. Où ça tente. Ok, c'est bon. C'est récupéré, même si j'aurais voulu moi avoir le rebond. Malheureusement, j'ai sauté trop tôt. LeBron James qui part dans ses dribbles, qui tente le 2 points et ça rentre. Ça rentre tout simplement. LeBron James qui se fait plaisir dans ce match. Allez, Chris Paul qui essaie de me mettre des dribbles. Il n'y arrive pas, je récupère le rebond, contre-attaque. Ils sont tous seuls, oui, la belle passe. Pénétration et malheureusement, il a lâché le ballon. Mais bon, ce sera une touche pour nous. Du coup, je passe sur le banc, on va rentrer. Le score 61-47. Donc ça va, l'équipe qui tourne a géré son match. Donc on est déjà dans le quatrième tiers temps là. Ok, il a pas tenté le tir. Mais au cas où, j'avais sauté. Oui, c'est récupéré. Shoot raté de la part des Clippers. Les Clippers qui sont pas dans leur match. Ils sont pas du tout en forme. Oh, la passe pour Love. Love aux deux points. Et Love qui les met. Ah, on fait un match exceptionnel. Un match exceptionnel, les gars. Ah, par contre, là, c'est pas Crawford qui sont moins. J'aurais kiffé lui mettre la misère encore à lui. Le mec, c'était vraiment un trou. Ou Paul qui essaye de perturber Irving. Et il réussit à placer son 2 points. Allez, LeBron James, il part tout droit, tout seul. Oui. James against Crawford. Il essaye de feinter la défense. Il attend quoi? Ok, il attendait que Irving se mette en position. Oui, Irving qui me la met derrière le dos et ce sera une faute sur tir. Du coup, on aura le droit à 2 lancers francs, les amis. Et on va essayer de mettre les 2. Allez, Dan. Ah, on était à la limite du parfait. Deuxième. Donc, on est toujours arrière, on le voit. Et les 2 sont rentrés. Ah, ce match nous réussit, à part le 2 points qu'on a mis tout à l'heure. Et un dribble raté aussi, mais sinon tout nous réussit. Attention à Paul. Oui, Paul qui cherche la faute et qui l'obtient. Forcément que c'est pas un 2 plus 1 parce que ça aurait fait mal. Même si on est loin devant. Il y a 15 points d'avance.
Allez, Paul qui met le premier et il mettra bien sûr le deuxième. Leur passing has been picturesque, a thing of beauty in both halves. More than a few of their baskets have come off assists. Love qui me la met. On va tenter une isolation. Règle des 3 secondes. Ah ok, putain, il est resté sous la raquette le débile. Mais c'est moi qui avais le ballon, pourquoi c'est Irving qui le tire? Bon, du coup Irving qui met son point et on récupère la possession. Ok, il joue sur LeBron James, LeBron James qui tient le dribble, il fait la passe à Love qui me la remet. Oui, le dribble qui passe. Bouh! Allez, le dunk sur 3 défenseurs. Ah, lui, il était épique. Lui, il était épique, les amis. Sur la tête de 3 défenseurs. Allez, on a 16 points, 7 rebonds. Le reste, j'ai pas vu parce que 4 passes décisives et 100% lancé franc. Ah ouais, mais l'autre m'a donné une écran, je pouvais pas défendre sur ce tir à 3 points malheureusement. Et en note, bah, A+, très très bonne note, bah, c'est le maximum en même temps. Même si ma jauge n'est pas remplie à fond, mais on va essayer. Oui, Irving qui met son 2 points sans problème. Enfin, je crois que c'est Irving, oui, je suis limite sûr que c'était lui qui a tiré. Allez, Paul qui essaye encore de perturber la défense. Paul qui pénètre, Paul qui tire et Paul qui rate. Allez, attention, on va demander, on va faire un appel. Ok, on a vu, j'étais en position, LeBron James qui pénètre, LeBron James pour Irving à 2 points et il se rate. Alors que je pense que moi j'étais mieux placé. C'est pourquoi je n'arrive pas à trouver le mec que j'ai au marquage. Je sais pas qui je dois prendre. Et voilà, forcément, je regarde où je dois aller, moi je vois pas ce qui se passe. Et Paul en profite pour marquer un 2 points et nouveau temps mort demande. Allez, on rentre, toujours en poste arrière. On va faire un écran, ça marche. Le Brown James qui poursuit, me la met. Oh non, comment j'ai pu me rater cette fois? Oh là là, dommage. Ah, c'était la même que les précédentes, sauf que celle-là ne rentre pas. Oh, ça tente le 3. Ouais, mais j'ai pas eu le rebond, d'accord. Allez, on va la demander. Enfin, je la demande pas, je lui fais rarement de, un appel de balle, parce que rarement ils me la mettent, donc à chaque fois ça baisse ma note. Oui, je te remets jouer cette passe de Love pour LeBron James. Du coup, 72 à 55. On est bientôt aux 20 points d'écart, les amis. On est à 3 points des 20 points d'écart. Oh, Crawford, c'est mon ami. Mon ami se prend tout dans la gueule. Ok, une fois de sortir de LeBron James et Griffin. Oh, deux lancers francs. Qui met le premier? Allez, il va tenter le deuxième. Il a une façon très particulière de tirer, Griffin. Et le deuxième, il rentre aussi. And so here's Cleveland. 15 point game. Allez, Irving. Irving qui va provoquer. Ah non, il attend l'écran. Ça marche. Irving qui pénètre, qui fait la passe à Love. Love aux 2 points. Malheureusement, c'est raté. Ça devrait par Thompson au rebond. Et Thompson qui l'a mis au fond. Donc, c'est une 2 points en plus sur cette magnifique action. Attention, Paul qui provoque. Paul qui tente de pénétrer. Paul qui joue derrière. Paul sur Crawford. Crawford qui tente le tir. Et bien défendu de ma part. Donc, ça y est, la jauge de A+, elle est à fond, les amis. Quel arbitre encore. Lui, je me le tape tout le match, lui. Il n'y a personne sur moi. Ah, il n'y avait personne qui défendait sur moi, dommage. Ok, je sais pas si elle est pour moi. Allez, encore une fois, Crawford. On l'a vu à gauche. Le 3 points pour Love. Sur une phase décisive de nous-mêmes, et ça rentre. Ça rentre parfait. Et voilà, on est arrivé aux 20 points d'écart, les amis. Oui! Heureusement pour nous qu'il a pas mis. On récupère le rebond en plus. Allez, Brown James, on va lui caler un écran. Ça passe. 3 points pour Love encore, il se fait plaisir. Il se fait plaisir, le petit Love. Allez, ce match est bientôt terminé. Plus que 30 secondes. 30 secondes à tenir.
two-game season series, they win them both and complete. Allez, Griffin qui tente la pénétration et qui la réussit. 80-59. Allez, 22 secondes. Et ce sera la fin de ce match. Et du coup, ben, j'espère, les amis, que vous avez passé un bon moment en ma présence. N'oubliez pas le petit like en fin de vidéo, ça fera toujours plaisir, le petit like pour mon travail. Abonnez-vous si vous aimez mes vidéos, si vous aimez mon style. Abonnez-vous si vous l'êtes pas déjà, bien sûr. Partagez un max pour me faire connaître et merci à tous. On va juste voir qui a été le joueur du match et ce sera la fin de cette vidéo. Voilà, 85 les gars. Voilà, 21 points d'écart. Magnifique. Allez, on va savoir de suite qui a été l'homme du match. Kevin, much appreciated, and now let's present our Jordan player of the game, Freak. Et voilà, c'est moi en plus le Jordan du match, le joueur du match. Et ben voilà, comment bien conclure cette vidéo en étant le joueur du match. Donc, à bientôt.